assis dans son coin devant le flic. J'espère que non, sinon il va mouiller ma caisse. Ah, géant. Génial, les mecs. Là, on a à boire pour au moins une heure. Tu seras fait avant une heure. Eh, il sera pas le seul. Dégage de ma caisse. Salut, Brian. Hé, pour ton dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père a de très bonnes nouvelles. C'est plus fort que toi, il faut que tu parles. Je lui ai rien dit de précis. Vas-y, toi, dis-lui. Qu'il me dise quoi? Allez, viens. Mieux sur le marché actuel. Une imitation cuir plus vraie que nature. Je croyais qu'il fallait que je voie ton contremaître. Plus maintenant. T'as le boulot, fiston. Je me suis pas cassé le cul à bosser là-bas toutes ces années pour voir le fils d'un autre avoir la place. Dorénavant, ce sera toi et moi. Je crois que tu oublies l'heure. Tu vas être en retard. Ouais. Eh ben, mets-les. Fais-les à tes pieds, va te promener. Montre-lui que t'es content, ça mange pas de pain. Brian. Hé, hey, conduis-toi autrement avec moi. Ça suffit comme ça, j'ai déjà ton père à supporter. Plaisir et à ceux qui en profitent. J'en profite. À la vie et à tout le reste. Ouais, et surtout au reste. Tiens donc, regardez qui est là. La fouine. La fouine. Dis donc, ça faisait longtemps. Ça va la fouine? Hein, ça baigne? C'est extra super cool ce que vous avez fait aujourd'hui. On a fait quoi? Tu sais bien, tous les trucs que vous avez piqués. Piqués? C'est illégal, ça, hein, Laura? C'est bien illégal. Ah oui, mon cœur, tu as raison, c'est pas légal du tout. Ah, tu te plantes, on fait pas ce genre de truc. Non, c'est pas notre genre. Ne vous inquiétez pas, je dirai rien. Moi aussi, du reste, j'ai volé des tas de choses. Quoi? T'as piqué quoi? Les miniatures du petit frère que t'as jamais eu? Jeudi prochain, vous allez tous rire jaune. C'est vrai? Pour quelle raison? Je vais cambrioler la banque Savings and Loan. Là, t'es un marrant, super marrant. Ouais, et vous allez tous m'aider. C'est bête, ce jour-là, je suis occupé. En tout cas, merci. Le mari de ma mère, c'est le putain de président, c'est clair? Quoi? Ton père, le président Clinton? Mais non, de la banque. Clinton est banquier en ville, c'est super. Et c'est quoi, ça? Non, je ne veux pas le jouet de ta maman, c'est à elle. Ouvre la boîte. C'est la liste des nanas qu'on n'a pas envie de se faire. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Oh là, hé, hé, hé. Où est-ce que tu l'as eu? Tiens, on se marre plus tout d'un coup. Quoi? Je crois qu'il est sérieux. Alors, qui marche? Attends, aucune banque n'a autant de liquide. Si, quand le comité doit payer les fonctionnaires. Alors, combien? 4 300 000. Dollars? Ah non, des sucettes.
Et tu le sais comment? Mon beau-père n'arrête pas de se vanter qu'il est super fier que le comité ait choisi sa banque pour y mettre tout ce blé. Avec ça, je me tire de ce coin. Avec tout ce fric, je pourrais me payer la corvette que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu peux même avoir mieux que ça. Et puis, merde! J'ai rien à perdre! Je suis à sec! Je marche! Mais il faudra se tirer d'ici rapide. Non, tu crois? Pourquoi? T'es pas bien ici? Donne-moi ça. Allez, rapporte-le où tu l'as pris et va retrouver tes copains. Est-ce qu'on t'a demandé de parler pour nous? Tu as vu l'âge qu'il a? Bah quoi, je vais entrer en première? Ouais. Il peut très bien tenir un flingue, exactement comme nous. Alors là, t'es starbé. Je crois que t'es ouf, tu réalises pas. Ça vaut le coup d'y réfléchir, non? Réfléchir à quoi? C'est vrai, j'en ai ras-le-bol, moi, d'être pauvre. J'ai envie de m'acheter plein de trucs. Des trucs super classe. Eh ben, qu'est-ce que t'as, Brian? C'est vrai, quoi. Tu piques des bières, mais pas de blé. Si j'avais 21 ans, je paierais ces putains de bières. Vraiment? Moi, je sais pas ce que tu ressens, toi. Mais moi, chaque fois que je paie pour ces bières, je ressens comme un flash. Et moi, je te pose une question. Qu'est-ce qu'on risque de perdre, d'après toi? C'est vrai, franchement. Qu'est-ce qu'on peut espérer de la vie, toi comme nous? Rien. Trouver un boulot chiant à mort et entendre nos parents se plaindre en nous demandant de nous casser ailleurs. Et tu oublies que Skoula représente absolument tout ce qu'on a rêvé d'avoir. À condition que t'aies une bonne paire de couilles, c'est tout. Bah tu rêves encore, j'entrerai pas dans une banque avec un flingue. Personne ne te dit le contraire. Il y a seulement un garde, c'est ça? Ouais. Ok. Toi, tu joueras les clients, rien de plus. Tu occuperas le garde, ça nous laissera le temps de le surprendre. Et on le désarmera. Non. T'es qu'un trouillard, comme toujours, tu te pisses dessus, c'est tout. Une vraie couille molle. Laissez-le se barrer. Eh ben, nous v'là casseurs de banque, les mecs. Ça me plaît bien, cette idée. On est d'accord? T'as un pet? Yo, mais fume pas tout. Non, mais c'est pas vrai. On va être en retard. Qu'est-ce que tu attends? Il faut que je te parle. Je veux pas de ce boulot. Donne-le à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui te prend? On t'attend. Non, tu peux venir une seconde? Et pourquoi tu l'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais entrer à Bard. Bard? C'est une université? Une école des beaux-arts. Eh bien, t'étais au courant? Non! Je veux apprendre le dessin. Le dessin? Et avec quel fric? Je vais te dire un truc à propos de ces écoles. T'as aucune garantie de travailler en sortant. Tous les jours, j'en vois qui ont des maîtrises ou des doctorats. Ils pleurent pour avoir le job que tu as, toi. Quoi? Mon travail est trop nul pour toi? Est-ce que j'ai dit ça? Oh! Tu te crois meilleur que moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais parlé de cette école avant. Pour quelle raison? Je voulais être sûr d'avoir été admis. Mais tes chaussures? Tes chaussures, bon sang! Je regrette pas, je peux pas. Mets tes chaussures! Le contremaître sera là à 11h. Si jamais t'es pas là, tu quittes la maison. On n'a pas assez d'argent pour ça, Brian. Je suis désolée. Oui, entendu. Merci. Vraiment, je regrette.
Mais sans caution ni référence bancaire, on ne peut pas. Il sait que c'est pour faire des études? Oui, oui, il sait que c'est un prêt étudiant, c'est pas ça le problème. La banque ne vous prêtera 30 000 dollars que si vos parents se portent caution. Donc, dans ce cas, je vais chercher le formulaire, je reviens. Evan, tu viens? Mon beau-père va me montrer le coffre. Pas le temps, qu'est-ce que tu veux? Te poser une question. Tu étais sérieux en disant ça? Quand je t'ai appelé Trouillard, c'est ça? Ben oui. Je te parle pas de ça, mais de la banque et du garde à distraire. Ouais, et t'es un fêlé de l'avoir refusé. Tout ce que j'ai à faire, c'est... c'est de jouer les clients, c'est bien ça? Sans porter de masque, sans avoir de flingue, ni autre connerie du genre, c'est ça? Généralement, un client se présente sans flingue ni masque, mon pote. D'accord. Je marche. Pas de chance. Mon offre était limitée dans le temps. Arrête de déconner, je t'ai dit que je marchais. Bon. Mais à petit risque, petit prix. Je veux juste 30 000 dollars. Tu peux avoir plus que ça. J'en veux pas plus. Bon, pour moi, ça baigne. Bon. Chaque jeudi à 11h, ils apportent le fric. Ils restent là toute la nuit et ils leur distribuent aux banques le lendemain. On a qu'à aller piquer le fric direct dans le fourgon. Là, tu rêves, c'est pas des rigolos, ces mecs. Ils ont des flingues et ils s'en servent. D'accord, mais pour le garde armé qui est dans les locaux. Vise un peu la dégaine qu'il a. Ah ouais, il risque pas de jouer les Rambo. Je suis sûr que si je lui montrais un bout de sein, il tomberait raide. Eh, hey, monte-en un pour voir. Mmh. Eh, hey. Bah quoi? Ça va, John? Oui, monsieur. Tiens, c'est lui. Qui ça, lui? Très bien, merci. Bon, papa. Mmh. Mon beau-père. Eh, hey, t'as vraiment pas de bol. T'aurais eu ce père-là, t'aurais eu notre tronche. Non, c'est vraiment marrant. Eh, hey, on se calme. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce grand connard sait même pas ce que ça fait d'être dans la merde. Ah, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Il t'a piqué ta Barbie? Disons qu'un jour, ma mère s'est pointée à sa banque et c'est lui qui a fait un dépôt. Il pourra toujours ouvrir une banque de sperme. Combien de temps? 20 minutes, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, ça fait 20 minutes, t'es sûr? Bon, si tu veux, ça fait 21. Le dernier passage, c'était 19 et celui d'avant 20. Mon pote, la précision d'un planning, c'est déterminant. Allez, on se casse. Précision. Sacré! Quelqu'un a du blé pour l'essence? Elle est super, ta précision. Boucle-la. Ils sont juste un peu à cran. Et alors, tu pourrais leur dire qu'ils sont quand même pas en pleine guerre du golf. Mais au calme, s'ils s'entraînent pas pour ça, et moi à ta place, je penserais plutôt au blé que je vais claquer. Je t'ai dit des billets bien craquants. Allez, calme-les. T'as vu ça? On va s'éclater. On se relaiera au volant, on s'arrêtera seulement pour l'essence. On filera tout droit vers San Diego. Une fois qu'on y sera, on entre au Mexique. Et on sera comme des nababs. On peut savoir pourquoi tu fais un cercle sur la carte? On la laisse dans la première caisse qu'on aura piquée. De cette façon, les flics perdront notre trace. T'es génial. Bon, 3 heures. On en a marre, ça fait 40 fois qu'on est fait. Non, il a raison, on recommence encore et encore. Exact, alors 3 heures. J'entre dans la banque, je demande au garde de me montrer celui qui s'occupe des nouveaux comptes. Bien, ensuite? J'entre dans la banque et je montre au gardien ce que j'ai comme paire de couilles. Bon, après, j'écoute. T'assistes pendant que tu désarmes le garde. D'accord. 3h05, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes au coffre, moi et Laura, on garde les otages. Bon, 3h12. J'entre à mon tour et je montre au caissier ma belle paire. Ça va, arrête. 3h12. Eh ben, on dégage, on s'éclipse, on détale, quoi qu'il se passe.
3h15, on change de voiture. 3h20, on planque la première près de la voie ferrée. Bien, et quand on entend ça? Eh ben alors, 3h25? Eh ben... on met les voiles et on va vivre ailleurs. Attends, regarde, regarde, regarde là, arrête, arrête! Renseignement à vous demander. Et je vous écoute. À qui je dois m'adresser pour l'ouverture? C'est un geste et je t'explose la tronche! À terre! À terre! Tout le monde se couche! Vite, vite! Personne ne bouge! Tout le monde à terre! Vite! Tout le monde se couche! À terre. Vite! Vite! Tout le monde à terre! Couche-toi! Tout le monde à terre! À terre, on t'a dit connard! Tout le monde à terre! Mais t'es sur toi! Dégage de là, toi, et couche-toi! Sortez de là, et couchez-vous, je peux vous voir! Plus vite, plus vite, plus vite! Et couchez-vous! On t'a dit de coucher! Bouge pas, toi! C'est lui qui les a! Le boule vieux, les clés, vite! File-moi les clés! Alors, ça vient! Aide-toi! Ça vient! Et la carte magnétique, grouille! T'entends le vieux, la carte, grouille, grouille! Je me fais perdre mon temps, mène-toi! Tu me prends pour un con, file-moi l'orange! Attends de déconner, mon pote! Je vous demande pardon, je suis désolé, je ne pensais pas que... C'est bien ce que je te reproche! Et toi là, tourne-toi vers moi! Je tiens pas à voir ce singe sur le dos! Bouge pas! 4GF. Quelle chiotte! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché le mauvais bouton, j'ai 12 secondes pour tout refaire avant l'alarme. Arrête, 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 donne-moi le bout de papier, vite! Combien de temps? 10 secondes! 4GF. Plus vite! 5 secondes! Voyez-vous, allez! 4, 8, 1! 4 secondes! 480! Non! 4, 8, 1, 1! 2 secondes! 5! 1 seconde! Oh, quelle connerie! Belette! Allez, allez! Allez, à toi, ouvre! Grouillez-vous! Grouillez-vous, les mecs! Ah ouais, ça, c'est intense. J'aime pas cette ambiance, putain, j'aime pas cette ambiance, fais chier. Amène-toi, la blondasse. Allez, avance. Couche-toi, là. Magne-toi, le liquide, le liquide. Grouille-toi. Grouille-toi, mon Dieu, tu perds du temps, plus vite. Plus vite, allez, allez, allez. Allez, allez, grouille! Putain, tous bleus! Allez, accélère! Allez, allez! Merde! Allez, allez, grouille, grouille! Plus vite, allez! Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal à ma jambe, je peux m'asseoir.
D'accord. Ça y est, on a tout. On se casse. Ça y est, mon cœur, on a tout. On se fait les tiroirs. Comment on les ouvre? Presque fini. Voilà, merci. Bon chien. Allez, file. Des 3 ans, 4 chiens sur 5 souffrent de problèmes de gencives. Pédigré Dentastix et sa forme en X contribuent à réduire la formation de plaques dentaires et du tartre jusqu'à 60%. Vous vous brossez les dents chaque jour. Pourquoi pas votre chien? T'as envie de manger quoi ce soir? Je sais pas. Autre chose. En tout cas. Surprends-moi, chouchou. Indien. Poulet Madras. Tu apportes le poulet à la crème fraîche et avec leur kit, tu en fais un plat indien savoureux grâce à sa marinade épicée, sa sauce Madras crémeuse et son riz indien. C'est bon. Knorr, de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Découvrez un nouveau geste santé pour cuisiner. Vaisselle liquide, riche en oméga 3 et oméga 6 pour des petits plats savoureux et sains. Vaisselle liquide, un geste sain, un geste simple. Vaisselle, prenez votre santé à cœur. À tout instant, nos journalistes se mobilisent pour vous apporter l'information que vous attendez, pour répondre aux questions que vous vous posez et pour vous donner la parole. Bell RTL. S'informer, c'est essentiel. Mesdames, messieurs, voici Pépé. Pépé est un as du bricolage. Bonjour. Pépé, qui est le numéro 1 de la rénovation? Eh ben, c'est Gamma. Et de la décoration? Gamma. Et du jardinage? Gamma. Et qui est le meilleur et le moins cher? Gamma, Gamma, Gamma. Alors, où devons-nous aller pour notre bricolage? Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Ça va? Grâce à Gamma. Gamma. Avis aux bricoleurs, il y a un Gamma près de chez vous. Yeah. I'ma rock this. I see girls here, there, and everywhere. Short skirts, long hair, love it when they walk. Yeah. Check this. One, two. Yeah. Sauce pasta gusto de Bertoli. Un goût intense dans un petit pot. Kangoo, c'est le même, mais en différent. Les flics! C'est quoi ce bordel? Normalement, on a encore 10 minutes! Mais c'est pas la patrouille, c'est le shérif! Merde! Qu'est-ce qui se passe, mec? Du calme, amenez-vous! Une fleur de Richwood. Qu'est-ce que t'as touché? Rien. Excusez-moi, désolé. Si j'entends encore un bruit, même un peu de mouche, je vous bute tous, compagnie. Allez, on se tire. Attends encore une minute. On n'a pas encore tout pris. Mais ça suffit, on en a assez. Allez, on s'en va. Encore un tiroir, bébé. Celui-là. Vous auriez mieux de vous tirer, et vite! Je te conseille de la boucler, ta putain de gueule! Il a raison!
Je suis d'accord, on en a assez, on se casse. Ouvre le sac. C'est pas le moment de craquer. Ouvre le sac. Si on répond pas, ils vont se douter qu'il y a un problème. Alors on va répondre. Toi ! Toi, je viens, debout ! Prends-toi ! Avance ! Tu vas répondre, mon pote. Allez, avance ! Et surtout, tu joues pas en compte à piger ! Plus de conneries ! Allô, Ridgewood, Savings and Loan. Puis-je vous aider ? C'est pour vous. Allô ? Oui, ici le shérif Jack Laramie. Service du shérif du comté de Ridgewood. C'est terminé, mon vieux. Je te vois par la fenêtre. T'as un masque, une veste beige et un blue jean. Merde. Allez. Sortez de la banque. Oh, c'est pas vrai, on est foutus, c'est râpé. Laissez vos armes sur place et sortez. Je vous donne une minute. Couchez-vous, 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 couchez-vous! Cet enculé de Marco s'est tiré, il nous a laissé tomber! Oh, enlève ça, bébé. Mais vous êtes fous! Ils vont voir nos têtes! Remettez vos masques! Ivan? Le propre fils de... On aurait dû se tirer au moment où je l'ai dit. Et tu les as prévenus, hein? Oh non, je n'ai pas... Ta gueule, Antonio! Si jamais tes poulets s'approchent, je renvoie tout le monde chez lui dans un sac à viande! Si vous ne sortez pas de là, tu seras parmi ceux qui vont en profiter. Je parle! Baisse les stores! Ça sent mauvais. Enrhumé? Non, c'est les fleurs, là. J'arrive pas à les supporter. Et vous pourriez peut-être me laisser partir maintenant, non? Ah ouais, te laisser partir? C'est autre chose qui va partir si tu continues. Tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas de lézard, tu nous l'as tous promis. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, réponds. Je réfléchis. Alors réfléchis vite. Alors... Tu fais quoi? Tu fais quoi du shérif? On peut essayer. J'ai oublié une chose, on a des otages, pas vrai? Qui a tiré? Ça vient de l'intérieur de la banque. Tu perds ton temps, Brian. C'est moi qui dois répondre. Thomas, c'est fait, tu crois pas? Voilà, doucement, aucun de nous ne pensait que ça prendrait cette tournure, compris? Répondez au téléphone, sinon on en... T'as qu'à brancher le haut-parleur. C'était quoi, ce coup de feu? Le garde a pris son flingue et a essayé de nous tuer. Bon, écoute, passe-lui le téléphone, je vais lui dire deux mots. Ça risque d'être dur. Il saigne à la main, il est allé se faire un pansement. D'autres blessés, sinon? Non. Crois-moi, si on veut trouver une solution, il faut qu'on parle, d'accord? Je t'écoute. Bon, ça va. Si vous me laissiez entrer, on pourrait trouver un arrangement. Tu nous prends pour une bande d'abrutis ou quoi? Non, je ne vous prends pas pour des abrutis, non, je... Écoute, je ne porterai aucune arme sur moi, je veux simplement mesurer la situation. Écoute bien, tête de nœud, la réponse est non! Pourquoi tu dis non?
Qui a dit ça? Rappelle-nous plus tard! Tu crois que Marty est resté? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Brian? Bon, écoute-moi. Tu écoutes? On n'a aucun moyen de s'en sortir. Et tu ne fais qu'empirer les choses. Écoute, je te dis qu'il existe un moyen. Non, il n'y en a aucun. Je crois qu'il vaudrait mieux abandonner. Le plus tôt sera le mieux, si vous voulez mon avis. J'ai une idée. Pourquoi on n'organiserait pas un vote? Si vous vous rendez maintenant, vous n'écoperez que de quelques années, c'est tout. Ah ouais? Et lui, d'après toi, combien de temps il restera en tôle? Ah ouais? Il y passera toute sa vie. Pas question que j'aille en tôle, mec. T'inquiète, personne n'ira en tôle. On n'a qu'à lui demander d'envoyer un hélico. Un hélicoptère? Dis pas de conneries, Craig! Écoute-moi une seconde. L'hélico nous emmènera tout droit à l'aéroport. Une fois qu'on y est, on se barre dans un jet. Quel modèle? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mec, franchement? Mais qu'est-ce que ça change pour nous? On va tous foutre le camp, t'entends? On ira à Tahiti? Moi, c'est un coin qui me plaît. Moi, j'ai les jetons des hélicoptères, ils se crachent constamment. Mais t'es pas obligé de venir, je vous flue plein de gras. Je dis seulement qu'ils se cassent la gueule, ok? Bah quoi? Écoutez, je sais que ça peut marcher. Je sais qu'on a une chance. Si vous désirez nous retenir en otage, il faut que la police nous voie tous. Vous commencez tous à me taper sur les nerfs. J'ai un polaroïd dans mon tiroir. Enfermez-les dans le coffre! Dans le coffre! Tout le monde dans le coffre! Collez-moi tous ces blaireaux dans le coffre, vite! Un beau discours, le virc! Toi, tu la boucles! Bougez-vous le cul, toi! Lève-toi! Non, 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 ça c'est trop pour moi. Je peux pas aller là-dedans, je peux pas! Avance! Non, je ne peux pas! Tu veux que je te donne de l'élan? Même si tu peux pas, avance! Quoi? Tu veux aller en tôle, Brian? Alors vas-y, balance ton putain de plan, allez! Je crois que c'est clair. T'as gagné, mec. Je peux pas être enfermé dans un espace confiné. Ferme-la! Dégage-toi! T'as qu'à lui mettre ses lunettes, mon cœur. Comme ça, il ressemblera à une star. Approche. T'auras qu'à le tenir. Tu mets tes mains là, comme ça. J'ai un truc plus drôle qu'elle peut tenir. Et vous, vous prenez sa main et vous autres vous approchez. Il faut que tu caches son épaule. Mettez-vous là. Tenez-lui les bras. Mettez-lui la main plus haut. T'es content? Ça te va? Plus haut, je vous ai dit. Qu'est-ce que t'attends? Allez, tout le monde. Super. Tout le monde va dire plein aux as. Plein aux as. Je crois que le Mexique tombe à l'eau. On s'en fout. De toute façon, l'eau est dégueu là-bas. Evan, as-tu pensé à ce qu'allait ressentir ton père? J'en ai rien à cirer. C'est pas mon vrai père. Il s'est toujours occupé de toi. Ouais, de l'extérieur peut-être. C'est pour ça qu'il se payait ma mère, même pas 6 mois après le décès de mon père. Et alors, il aurait dû attendre combien? Plus longtemps. Oh! On a autre chose à foutre qu'entendre tes jérémiades. Reçu. Maintenant, je vous conseille de la boucler. Ouais, vas-y, très bien. Hey, Michael, ouais. Hey. Vous avez réfléchi, vous vous rendez? Vous avez pas l'air en bonne santé, shérif.
À votre place, moi, j'irai à l'hôpital. Bon, tel que je vois les choses, il n'y en a plus pour longtemps. Nash ! Eh ben, vous voyez mal. On a une photo pour vous. 7 otages en forme et encore en vie, et qui vont sans doute le rester si vous nous donnez ce qu'on vous a demandé. Vous avez imprimé ce que j'ai dit. Je tiens à voir la photo. On va vous la porter dans une minute. Entendu. À la moindre petite erreur, on bute les otages un par un. Je sais, oui. Parfait. Viens avec moi. Viens, fais-le à ma place. Alors, qui veut y aller? Moi, je suis d'accord. Non, pas question. Non, pas lui. Tu restes ici avec moi. Pourquoi? Parce que si cet enfoiré essaie de nous piéger, Belette et moi, on est les seuls à avoir suffisamment de couilles pour buter les otages. En fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est toi qui vas sortir. C'est toi qui vas donner la photo au shérif. Allez, va donner la photo. Et là, ça rehausse ta part. Je m'en fous du blé. Si je comprends, il en veut pas. Hé. Bonne chance. Brian, tiens. Je me sens mieux sans flingue. Fais gaffe, pas de coup foireux. Ça va, baissez vos armes. Baissez vos armes. Quelque chose me dit que c'est pas toi avec qui j'ai parlé au téléphone. Si je connaissais ton nom, ça simplifierait les choses. Au moins un diminutif. Mike. D'accord, Mike. Comment vont tes 3 potes à l'intérieur? Qui vous a dit qu'il y en avait seulement 3? Hein, combien sont-ils? Plus. Plus? Combien il faut que vous soyez pour vous faire une banque? Cherchez pas, je vous dirai pas combien ils sont, tout comme je vous donnerai pas leur nom, c'est clair? Très clair. Eh ben, alors monte la photo. Oh, qu'est-ce qui vous prend? Il me monte la photo. Baissez vos armes! Vas-y, c'est bon. Ce qu'on veut, c'est un hélicoptère. Tu rêves, ça fait plus de 10 ans que j'en demande à un autre service, alors. J'ai pas encore tout dit. Ce sera un modèle d'hélicoptère militaire. Comme ça, il pourra tous nous prendre. Je pense que vous devriez peut-être l'écrire, c'est important. Pas besoin, je t'écoute. On veut aussi qu'il nous dépose près d'un bimoteur, dont vous aurez fait le plein de kérosène, plus un pilote. Et il nous faut en plus un équipement de survie complet. Et pour la réservation, tu veux un hublot ou le couloir? Je déconne pas, c'est super sérieux. Tu crois que je suis en train de rigoler? Tu sais penser ou tu n'es qu'un petit coursier? Au travail, on attend, on veut ça maintenant. Serre-toi de ta tête, bon Dieu, réfléchis un peu! Mike! Il faut que j'appelle des tas de gens. On dit que c'est le jour de remise de l'argent. Vous avez une idée du nombre de vainqueurs? Qui sont les vainqueurs? Vous savez qui sont là les gens? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'il a été d'accord. Il a été d'accord? Je crois, ouais. Qu'est-ce que j'avais? Grâce à toi, mais... Qu'est-ce que j'avais? Ça, grâce à toi. Attends. Tu sais, les gamins qu'on avait mis à l'ombre il y a environ 2 ans pour destruction de boîte aux lettres? Ouais. Lui, il faisait pas partie de la bande? Ouais, je crois que t'as raison. Tu vas faire ressortir le dossier. Je veux savoir qui étaient les autres gamins. Stevens! Vous me gênez. Excusez-moi, mais je suis là pour vous assister. Parfait, un café de sucre. Agent spécial Henry Rickman, Henry Rickman.
FBI, shérif. Oh. Pardon, shérif Jack Larrabee. Non, non, je préfère pas hériter de votre rhume. C'est pas un rhume, c'est une allergie, mais vous êtes perspicace, bravo. Écoutez, je propose qu'on se fasse des compliments quand le boulot sera fini, d'accord? J'ai quelques notes. Bon, est-ce qu'il y a une procédure spéciale que vous vouliez appliquer? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Oui, je veux un café. Bien serré. Et sans sucre. Oh, géant! Lequel? C'est lui qui est là! Debout le Jack! Les clés! Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi les clés! Jette un coup d'œil! Couille! Couille-toi! Et la carte! C'est cool, non? Tu me fais perdre mon temps! Regarde, c'est moi! Dis-moi l'orange! J'en ai avec moi! On dirait Rambo! Tiens, c'est bien ce que je te reproche! Et toi, là, tourne-toi vers moi! Je tiens pas à avoir ce singe dans le dos! Bouge pas! On se la prend? Vite! On t'a déjà dit que tu étais un malade! Allez, au coffre! Vite! Ne me regarde pas! Ah, c'est trop. Celui-là, c'est Mike. En réalité, il s'appelle Brian Parker. On l'a arrêté avec les autres parce qu'il défonçait les boîtes aux lettres à coups de M16. Et quant à ces deux-là, ils ont fait de la maison de correction une demi-douzaine de fois pour détention d'armes illégales, agression, vol et vandalisme. Vous commencez à écrire un bouquin? Non, non. C'est mon aide-mémoire. Voltigerin en position. Terminé. J'écoute. J'ai un suspect dans ma ligne de mire. Terminé. Bon, qu'il les fasse. L'abattre? Bien sûr, le tuer. Les otages sont prisonniers de ce connard. Oh là là là, une minute, ils sont jeunes. Hé, hey, shérif. Les gamins pillent une banque. Ça regarde le FBI. Vous voulez qu'on descende une bande d'ados qui déraille un peu? Vous n'allez pas faire ça quand même. Non, je vais me gêner. Descendez-moi cet enfoiré. Je vous rappelle que ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. Attention, en position. On a perdu la cible. Quelqu'un a baissé les stores. Je répète, on a perdu la cible. Écoute-moi, mon garçon. Il est encore temps de vous décider. Vous téléphonez à qui, là? Hé! Hey, allô? Chérie? C'était eux. Vous les avez prévenus, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous pointer ici et tuer une bande d'ados qui déraille, alors vous rengainez votre matériel et vous dites à vos gens de ne pas faire de vagues. Si on commençait à travailler ensemble comme on doit. Steven! Bon travail, Steven. Montrez-moi vos petites notes. Ces Arby, il y a un truc pas clair. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit de baisser le store? Hein? J'en sais rien. Il ferait mieux de nous refiler ce qu'on veut. On est dans une sacrée galère. Ouais, je suis d'accord, ça commence à craindre. Vous avez ce qu'on a demandé? Allez, mec. C'est moi, Marco. Et je veux pas vous filer la grosse tête, hein, ni vous inquiéter. Mais sur toutes les chaînes, on ne voit plus. C'est pour ça que tu t'es barré tout seul, putain de gonzesse. Quoi? Alors tu le retrouves? Ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y avait des poulets dans tous les coins. Tu déconnes, tu nous as tranchés. T'aurais quand même pu klaxonner, on serait sortis en vitesse. Je te jure sur ma tête que si on plonge à cause de toi, alors je te ferai plonger aussi, mais... peu importe le temps que ça prendra. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse tout seul? Hé, hey, évitez d'encombrer la ligne. J'ai fait tout ce que je pouvais, bordel, ok? Qu'il aille se faire enculer, il faut raccrocher et vite. Attends une seconde.
T'aurais dû klaxonner. Va chier, connard! Il a raccroché trop tôt. Pour l'instant, nous sommes témoins d'une impasse entre la police et ce qui semble être un groupe d'adolescents. Voici la scène telle que les caméras ont filmé il y a 3 quarts d'heure lorsqu'un des braqueurs est sorti de la banque. Comme vous le voyez, il s'agit d'un jeune homme blanc d'à peine 20 ans. Il a brièvement échangé quelques mots avec le shérif Larrabee. Il lui a ensuite remis une photo, photo que nous avons beaucoup de mal à nous procurer. Le shérif a promis au jeune délinquant d'appeler plusieurs personnes. Malheureusement, nous ignorons toujours les raisons et les destinataires de ces appels. Attendez. Chérie. Oui. Alors j'apprends à l'instant que le jeune homme que vous apercevez sur votre écran est un résident de Ridgewood, Brian Parker. Nous allons maintenant essayer de savoir... T'aurais dû klaxonner. Bah tiens. Et ouais, avec un klaxonner, tu parles. Ce coup-là, c'est ma faute, ma responsabilité. Parce que ces connards, ils disent que j'aurais dû klaxonner. Et ils essaient de me faire porter leur putain d'erreur à moi. C'est d'accord, bah moi je vais leur montrer. Putain, ils vont voir. Son arme pointée sur la tête. Toi là, baisse ton arme. Tu veux du sang, hein? Seulement t'en auras partout sur la tronche. Toi aussi baisse ton arme, sinon je me descends devant vous, hein? T'as déjà vu exploser une boîte crânienne? Boum. Ça c'est une putain de mort. Qu'est-ce que vous regardez là? Qu'est-ce que tu m'as atteint? Train de couille. T'as vu ta gueule? Deux pas en arrière. Allez, ouvre. Sortez, il faut tout de suite se casser. Allez, quoi? Qu'est-ce qu'il a à s'agiter comme qu'est-ce ça? Qu'est-ce que vous faites? On se casse. Là, il va le faire buter, mais regardez, hein. Mais sortez! Mais vous êtes con, quoi! Fais gaffe, toi! Fais gaffe, toi aussi! Ah, je suis sûr! Qu'est-ce que tu veux, enculé de taille? Tu veux que je te... Tu veux me lâcher, moi? Enculé, les saloperies d'enculé, là! Pourri en dur! Saut de pisse, allez tout vous faire casser l'oignon! Tiens! Tu veux que je te chute, ta merde! Rentrez chez le patron. Dégagez les lieux. Patron, vous avez reçu des ordres, ceux de ne rien faire. Cassez-vous de là et maintenant. Nom de Dieu, allez-vous-en. Partez tout de suite. Salaud. Je te mets KO. T'as de beaux yeux. Pas forcé de revenir me voir. Ils t'ont eu aussi. Ouais. Pourquoi ils t'ont chopé? Quelle bande de cons, écoute ça. Il y a un an, j'ai piqué plusieurs larfeuilles. Alors maintenant, dès qu'un connard paume un dollar, les flics me sautent dessus. Quelle bande de logdés. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? T'as vu tous les poulets qui traînent là dans le coin? Et alors? C'est à cause de moi. Quoi? Tu t'es fait la banque? Ouais. Moi et mes potes. Oh non, putain, super. Putain, mais c'est dingue. Hey, tout à fait. Ouais, hey, c'est cool. Hein. Je sens que ça va leur prendre des heures. Je devrais peut-être essayer de leur parler. Quel effet vous pensez que ça aura? Je suis une grande personne, un adulte. Ils m'écouteront, je pense. Mon époux est l'un des adjoints du maire. Il serait peut-être bon que vous le leur disiez. Hé, hey, gras du bide! Je t'ai demandé qui la boucle. Pourquoi tu viens pas prendre ma place? Ne m'oblige pas à me repointer. Allez, on la boucle. Bon,
Essayez d'identifier ces pauvres gens et surtout dites-moi si certains d'entre eux ont des problèmes d'ordre médical ou s'ils ont d'autres soucis, peu importe ce que c'est. D'accord, je vais essayer, shérif, mais... Ils sont où tes potes maintenant? Toujours à l'intérieur. Oh, ça c'est pas cool. Oh non, vraiment, c'est pas cool. Et combien ils sont? Seulement un. Ah non, attends. Deux. Non. 30. 189. Putain d'enculé poulet. Allez, casse-toi, sale con. Enculé. Elle, c'est Madame Sutton. L'Arabie. Excusez-moi. Tu sais ce que je crois? Que c'est toi qui as pondu l'idée de cette connerie. Ah ouais? Et moi, je crois que tu devrais rapporter ces fringues ou tu les as pris, sinon elles vont finir par sentir la merde. Tu sais, je suis sûr que t'as pas eu les couilles de le faire toi-même et que t'as entraîné tes copains à faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Et moi, je suis sûr que t'as pas celle de porter un uniforme parce que t'as peur qu'on descende ta peau de l'arbre. Attends, je vais te montrer. Henri, j'ai pas... Relax, Henri. Vous, les poulets, vous faites une belle erreur. Le mec qu'il faut interroger, il est là-bas en costard bleu foncé. Ah oui? Pour quelle raison on ferait ça? Eh ben, s'il n'était pas aussi con ni aussi imprudent, il n'aurait jamais laissé traîner les plans complets de la banque. Et son fils les aurait pas trouvés. Il n'aurait pas organisé tout ce bordel. Interrogez-le. Salut, mon amour. T'as un très joli petit cul. Pourquoi vos hommes ne font-ils pas, shérif? C'est trop risqué pour l'instant. Vous êtes plus nombreux que ces gamins. Est-ce que votre fils a accès au plan de la banque et au code de sécurité, monsieur? Qui vous a dit que j'ai un fils? On pense qu'il est dans la banque. Il n'est pas sur la photo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, il n'est pas retenu en otage. Est-ce qu'il a eu accès au plan de la banque, au code de sécurité? J'en sais rien. C'est pas exclu. Il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Soyez un peu patient, on y travaille. Non, non. Il faut que je sorte du coffre. Il faut tout de suite que je sorte du coffre. Calmez-vous, non, il faut que calmez-vous. Je sorte. Chut, chut. Il est à bout, il étouffe. Hey, tout le monde respire ici, alors c'est quoi son putain de problème? Il fait trop de bruit, il faut qu'il la boucle. Non mais regarde un peu chut, comment calmez-vous. Il est, va y rester. Chut, chut. Vous savez pas s'il est malade? Il est claustrophobe. Il faut qu'il sorte. Chut. Chut. Je vous emmène. Chut. J'ai soif. Est-ce qu'on peut boire? Il a voulu me piquer mon flingue! Non! J'avais soif, je voulais boire. Ah ouais. Tu veux boire? Tout de suite que je vois le shérif. J'ai dit, appelez-moi le shérif! Shérif, vous pouvez venir tout de suite. Terminé.
trouve que ça traîne, c'est trop long. Parce que tu crois que d'un seul claquement de doigts, j'aurai tout ce que vous voulez. Vous essayez de nous avoir? Absolument pas, je t'ai parlé honnêtement jusqu'à présent. Seulement toi, j'en suis pas convaincu. Brian. Je sais qui sont tes quatre copains à l'intérieur. Craig, Bullet, Evan et Laura. Vous voulez nous avoir? Non, c'est vous qui voulez nous avoir. Écoutez-moi, surtout écoutez! À l'intérieur, les choses prennent une sale tournure. À quel niveau? Au niveau de la perte de contrôle de soi, c'est clair? Alors arrêtez de jouer les Columbo et accélérez cette putain d'opération! Brian! Brian! Arrêtez, vous n'avez pas le droit! C'est ta mère? Laissez-la nous rejoindre! C'est d'accord. C'est un très beau garçon. Oui. Il s'est toujours montré un très bon garçon. Rentre, ne reste pas là. C'est notre faute. Vous savez, il ne voulait pas travailler avec son père. Nous avons mis la pression sur lui. Non, arrête! Tu auras le meilleur avocat, Trésor. Tout va bien se passer. J'ai réussi à convaincre ton père. J'arrête pas, je laisse pas tomber. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, au contraire. Ce sont tes copains qui te forçaient ça, hein, Brian. Qu'elle s'en aille de là, qu'elle s'en aille ils de là. Ils sont conditionnés pour que tu restes, tu rentres avec moi. Arrête maintenant, laisse-moi être tranquille. Non. Si je retourne pas à l'intérieur, ils vont mourir, tu entends? Les otages vont mourir, tu comprends ça? D'accord, mais je t'en prie, rien qu'une seconde, va parler à ton père. Il est là-bas, je t'en prie, va lui parler. Maman, écoute. Ton fils est un nul, tu comprends, oui ou non? Non. Si! Tu emmènes papa et vous rentrez à la maison. Brian. Vous attendez quoi, shérif? Emmenez-la! S'il te plaît, Brian, allez, je t'en prie, Brian, on peut recommencer, je t'en supplie, chérie. Brian, je t'en supplie, chérie. Brian! Agent spécial Rickman du FBI. Je peux faire quelque chose? Vous avez besoin de cigarettes? Ou de manger, hein? Seulement ce qu'on vous a demandé. Fais voir. Laisse-moi. Allez, fais-moi voir. Casse-toi. On y est presque. Eh, ça y est, il se ramène. Vas-y, raconte. Il a encore besoin de 5 minutes. J'y crois pas à ça, moi. Il gagne du temps. Tu vois, on se montre gentil, mais cette bande de nasses comprend rien à rien. Ça va plus être long maintenant, alors surtout tu restes peinard. Négatif. On va tout de suite leur montrer qu'on est sérieux. T'inquiète pas, tu vas voir, on les tient. Qui ça peut bien être? Ridgewood Saving Alone, puis-je faire quelque chose pour vous? Je vous avais dit d'attendre. Non, on passe à la vitesse supérieure. Écoute, passe-moi Brian. Il a pas envie de jacter un poulet qui fait des fausses promesses. C'est pas vrai, je suis sincère. On va t'avoir tout ce que tu as demandé. Je te laisse 15 minutes. Tu rigoles, c'est pas suffisant. Alors tu auras le sang d'un autre otage sur les mains. Non, attends, je t'en prie. Non, toi, attends, écoute. On va descendre un autre otage chaque fois que tu vas la jouer 15 minutes en retard. Non, tu vas pas faire ça. Vous êtes trop jeune pour être des tueurs. Ce con, il comprend rien. Je comprends peut-être rien. Seulement, je suis pas un imbécile. J'ai compris que Marty était mort depuis longtemps. Et je suis persuadé que c'était un accident. Ah ouais? Eh ben, tu vas avoir un autre accident dans 14 minutes et 30 secondes, c'est clair?
Arrête, déconne pas. Le shérif va nous obtenir ce qu'on attend. Alors on attend. Et on reste cool. Écoute, j'aimerais que tu me rendes un service. Non. Je voudrais que tu parles à Laura pour moi. Pourquoi tu le fais pas? Elle refuse de me parler. Le seul truc que je te demande, c'est de briser la glace. D'arrondir un peu les angles. Tu pourrais lui dire que... Dis-lui que j'ai pété les plombs. Tu veux bien? Je veux bien. Hé. Hey. Est-ce que ça va? Je sais pourquoi t'es là. C'est lui qui t'a envoyé. Oui, c'est lui. Alors laisse-moi. Laura, si je suis là, c'est pas pour ça. Je suis certain que tout va aller en empirant. Je crois qu'ils sont aussi paumés que tu l'es. Je continue à me demander si... Il y a une chance que ça marche, tu comprends? Ouais. Et si on pourra se barrer? Bien sûr que non. Il n'y a pas la moindre chance. Et c'est pour ça qu'il faut laisser tomber. Tu me le donnes? Je vais faire quoi avec? Prends-le par en dessous et sans bruit, tu ouvres le chargeur. Oui. Excellent. Tu reprends ton flingue et tu vas l'échanger contre celui de Craig. Il n'y aura plus de balles dedans. Et tu n'auras plus à t'en faire pour lui. Je l'aurais bien fait tout seul, mais il se demanderait pourquoi je porte un flingue. Je sais pas si je dois... On peut s'en sortir. C'est le seul moyen qui nous reste. D'accord. J'y vais. On ne connaît toujours pas les intentions des braqueurs. Nous avons interrogé le père de l'un d'eux. Oui, c'est son père, et alors? Il a regardé dans la caboche. Et regarde, c'est ton père. Il n'a jamais réfléchi dans sa putain de vie. Quand on lui fait un truc un peu intéressant, il s'en branle tout le temps. Ne croyez-vous pas que le fait de purger une peine de prison pour vol à main armée et puis inciter votre fils à commettre un hold-up? Alors c'est moi qui l'ai poussé à se faire une putain de banque. C'est la meilleure, ça. Fin de l'interview. Éloignez la caméra. J'ai dit d'éteindre cette putain de caméra. Pauvre connard. Tu veux me présenter des excuses? Allez, casse-toi. M'excuse que tu m'aies poussé à te cogner. C'est une drôle de façon de me présenter tes excuses. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le prochain qu'on bute, c'est qui? On n'est pas encore au bout des 15 minutes. On fait que des conneries quand on agit à la dernière seconde. Tiens-moi ça. Allez, chérie, suce le canon. Tu vas sucer ce putain de canon. Ouvre la bouche. Je vous en prie. Ouvre la bouche. Allez, il faut lui la paix. Suce le canon, ouvre bien grand. Suce, oui. Suce bien. Ah oui.
Tu as les mêmes cheveux roux là où je pense. Génial. Hé, hey, l'asthmatique, merci pour le pourlis. Alors, personne d'autre n'a de cadeau pour moi? T'en as pas, toi? Non. T'as pas de cadeau pour moi? Non. Et moi, je suis sûr que si. Non, j'ai rien. Non. Je te dis que si. Non, je vous en prie. Non. Je te conseille de pas te débattre. Normalement, je dois la surveiller. Arrête, toi, merde. Toi. Non, arrêtez. Non. Dégage de mon chemin. Debout. Non, arrêtez. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Tu peux me dire ce qu'il compte faire? J'en sais rien. Arrête, je te bute. Arrête, sinon je te bute. Viens, ma chatte. Oh, pitié. Suce-moi. Allez, suce-moi la queue. Tu vas me sucer, dis. Attends, attends une minute. Arrête-toi. Où est-ce que tu vas avec mon flingue? Mieux d'essayer de trouver le moyen de nous sortir de cet enfer. Attends, Craig a besoin de toi. Elle craque de toute façon. Mets-la dans le coffre avec les autres. Quoi? Elle est passée de l'autre côté, emmène-la. Viens. Amène-toi. On vient de recevoir un appel. C'est certainement un des otages, sur la ligne 3. Allô? Vous m'entendez? Quel est votre nom? Je m'appelle Pamela. Ah, où êtes-vous? Faites quelque chose, je vous en prie, sinon ils vont nous tuer. D'ailleurs, je vous promets qu'ils ne vous tueront pas. Mais je dois tout de suite savoir où vous êtes. Pour l'instant, je suis aux toilettes, je n'ai qu'une minute. D'accord, dites-moi où ils ont mis le reste des otages. Dans le coffre-fort. Pam? Bonjour, Pam. Je m'appelle Henry Rickman, je suis du FBI. Écoutez-moi attentivement. Voilà ce que vous allez faire. Le temps est écoulé. Allez, sors-le de là, maintenant. Je raccroche, il m'attend.
Bon. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. On va commencer par toi. Allez, j'écoute. Choisis. J'ai pas toute la journée. 5. C'est ton tour. Deux. Tu en es vraiment sûr? Bon, d'accord. Maintenant, toi. 5. On l'a déjà choisi, vieux con. Tu sais, pour un directeur de banque, t'es assez mauvais pour les chiffres. Il a fait une erreur. T'es une rigolote, t'as une réponse pour tous les sujets. Tu sais que c'est infernal, ça. 4. À ton tour. 3. Vas-y, redis-le. J'ai dit 3. Ah, super, on a la gagnante. Non. Amène-toi. Non. Amène-toi. Attendez, prenez-moi à sa place. Ah. Là, mon pote, t'es courageux. Assieds-toi, connard. Amène-toi. Non. On va enfin se marier. Je t'en prie, non. C'est ton heure, frère. Non. 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 Est-ce que tu réalises que là, on est en train de te sauver la vie? Non, il y a d'autres moyens. Je t'en prie, non, pas ça. Ne la tue pas. D'accord. Ça va, on la laisse. Amène-la, Belette. Aille-toi, allez. Amène-la à mon bureau. Tiens-la mieux. Non, faites pas ça. Je vous en prie. Ryan, allez, rappelez. Je vais aller voir si l'hélicoptère est là. Laisse-moi aller voir, Craig. Régale-toi. Pas ça. Ou tu es avec nous, ou alors tu es contre nous. Mais il faut décider. Non, pitié. Pose ta saleté de main sur cette putain de lame! Ryan! Ryan, je t'en prie, fais pas ça! Je t'en prie, fais pas ça! Vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends pour appuyer? Ryan, non, je t'en prie! Vas-y! Non! Ryan, non! Appuie! Non! Sortez-la de là. C'est con, hein? C'était pas son jour. Tu sais, en réalité, c'était le vieux qui devait y passer. Mais cette conne qui arrêtait pas de parler m'a collé les boules. Tu vas réussir à nous faire tous tuer. Non, tu réponds pas. Répondez. Réponds, mon Dieu, prends le téléphone. Vous pourriez arrêter de prendre des notes 30 secondes! Ah! Bon, très bien. Craig dit on touche ses pieds. Craig dit on touche ses hanches, on touche son nez. Dans 10 minutes, il faudra choisir un numéro. Et il y aura un gagnant. Je
peux essayer? Bien sûr. Baladé. On met le doigt dans son nez. Bien profond. Allez, le doigt dans son nez. Baladé. Vous battez les bras. Baladé, on saute sur place. Baladé, on saute sur place en faisant un tour complet. Baladé, on accélère. Baladé, on accélère. Stop. Belette a dit stop. C'est toi. Quoi? C'est juste une question de temps avant qu'ils s'en prennent à toi. Je prends jamais ça. Tu veux prendre le risque, t'en es certain? De toute façon, j'ai pas le choix. Et supposez que vous l'ayez. Supposez qu'on trouve un moyen. Attention, normalement, on doit garder c'est le silence. Si vous terminez bien et que vous soyez pas forcé d'aller en tôle. Comment? J'ai peut-être une solution. Mais je dois savoir si vous marchez. Je vous écoute. Ils sont en ligne. Génial. Pam, ici Rickman. Dites-moi ce qui se passe en ce moment. Je suis avec les autres. J'ai réussi à convaincre Evan. Il est prêt à nous donner un coup de main. Parfait. Allô? Evan, écoute bien, on n'a pas tellement de temps. Il faut que tu isoles les otages tout de suite et que tu nous protèges de Belette et de... Vous ne parlez pas à un de vos hommes, mais à un gamin, alors encouragez-le. Allô? Evan, je suis là. Evan, tu as fait un super boulot et tu peux réussir ce que je vais te dire. Écoute-moi, fiston. Tout d'abord, il faut tout de suite vous isoler de tes copains qui ont des flingues. Alors, il est où, mon hélico? Il est en route. Ça va pas être long, il arrive. On va le faire atterrir sur le parking de la librairie de l'autre côté. Attends, je vérifie. Je te dis tout de suite où il est. Un instant. En position. Ouais. L'hélico est en train d'arriver, reçu. Vous avez réussi. Bravo. Craig! Ça y est, on est dedans. Mort. Allô? Allô? On les a perdus. Ils sont dans le coffre. Je n'en ai aucune idée. À tout le monde, gardez vos positions. Je répète, gardez vos positions. Il y a comme des interférences. Allô? C'est à cause de la porte. Non, je t'écoute. Dis-moi ce que tu faisais. Hein?
Evan? Evan, est-ce que tu es là? Evan, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Allô? Bon, d'accord, écoute. On a eu ton hélicoptère, il va être là dans 3 minutes, ça va? Ça te fait 3 minutes de retard. Quel dommage. On passe au plan B et on déploie nos forces. Allez, le gros, rampe! Achève-le. Non! Arme. Dernière sommation. Lâche ton arme. Tu entends? Ne fais pas le con, gamin. Arrête. Lâche ton arme. Fais ce qu'on te dit. Lâche ton arme. Arrête. Écoute-moi. Ne fais pas ça. Suspect décédé. Je répète, suspect décédé. Ramassez les armes, les autres. Allez, tout le monde dehors. Vite, vite. Faites sortir les attaches. Allez, allez, tout le monde dehors. Suivez-moi. Allez, allez, activez. Par ici, par ici. Par ici. Venez, madame, c'est fini. Votre famille vous attend. Oh, ma chérie. Oh, quel bonheur. Oh. Je n'étais pas trop inquiété, j'espère. Ce qui m'a aidé, c'est de savoir que tu existais, tu sais, ça c'était... Hé, hey, où est-ce qu'elle est? Qui ça? Te fous pas de ma gueule, t'entends? Hé, oh, 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 et Henri, vous avez un problème? L'argent a disparu. Avec la fille. Où est Laura? J'en sais rien du tout. Brian? J'en sais rien. Regarde-moi en disant ça. J'en sais rien. D'accord, ça va. Elle a 1 minute, j'ai pas encore terminé avec lui. Tu calmes. Il sait où elle est.